Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Mais d'abord le sommaire. Félix Tshisekedi appelle les membres du gouvernement à travailler dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa. C'était à l'ouverture du séminaire gouvernemental ce dimanche à Kinshasa, la capitale congolaise. Et puis à Kikwit, province du Kwilu, Madame le maire de la ville adjointe, Lula Charlotte, a donné le go officiel de la télé des disséminations du mécanisme de gestion des plaintes organisées par le Programme national de développement agricole PNDA ANSI. Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. À présent, les détails. Bonsoir, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'ouverture des travaux du séminaire gouvernemental ce dimanche 21 juillet 2024 au Palais de la Nation à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, axé sur le thème scellé le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace de réformes en exécution du PAG 2024-2028. Félix Tshisekedi, président congolais, est dans cet extrait choisi par votre rédaction. Vous souhaitant la bienvenue à l'ouverture de ce séminaire gouvernemental placé sous le thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale », je voudrais, à l'entame de mon propos, vous précisez que j'attache du prix à ces assises. Nous nous réunissons dans un contexte particulièrement crucial pour notre pays, marqué par des défis sécuritaires et économiques significatifs, mais aussi par de nouvelles opportunités de développement et de progrès pour notre nation. Ce moment est décisif pour définir les lignes directrices de notre engagement collectif. Les défis que nous devons relever sont nombreux et complexes, et les attentes de notre peuple sont claires et pressantes. En effet, le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. C'est ainsi que, lors de la première réunion du Conseil des ministres de ce gouvernement, j'ai insisté sur l'importance de travailler sans relâche et avec un sens profond de dévouement pour atteindre les résultats attendus par nos concitoyens, conformément aux 6 engagements que j'ai pris pour cette nouvelle mandature, à savoir création de plus d'emplois, protection et stabilisation du pouvoir d'achat, sécurisation du territoire national, diversification de l'économie nationale, garantie de l'accès aux soins de santé et renforcement de l'efficacité des services publics. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, ce séminaire a pour but de renforcer notre cohésion
et notre solidarité gouvernementale. Et dans l'espace Grand Bandundu, province du Kwilu, l'on parle de lutte anti-érosive dans la commune d'Inzinda, ville de Kikwit, après un arrêt des travaux observés il y a quelques jours au ravin de Sainte-Marie, sans courant, faute des moyens nécessaires pour lutter contre cette catastrophe naturelle. Serge Moussila, le bourgmestre de cette commune, était devant la presse ce lundi 22 juillet 2020. Pour faire le point sur les nouvelles stratégies proposées par ces services techniques afin de recommencer les travaux de réhabilitation du caniveau Sainte-Marie Sankourou aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide pour le bien de tous. Suivez. Cette commune, mais qu'elle a pas moyen conséquent vers y a aussi la bissaloïna. Y a une avec qui ça n'a pas nos populations. N'a plus la qu'elle n'a pas nos cultures avec tout mais forte sans mettre que voulait la bissaloïna. Par service habilité, normalement c'est la mairie, la province, c'est l'ombre ou assister. Mais tout ça n'a est une faisabilité à bissalo. Mais bon, mais un peu moins réticent. Peut-être qu'il y a une réaction à bon avis le malgré tout. Mais d'ailleurs, au fait de gouverner comme on a, bon mais ça l'étude à milliers, comme c'est l'étude à faisabilité. Il y a même à Kinshasa pour ça sous forme de projet. Mais quelque chose à mon mot de papa journaliste, voilà, avec le projet, ça prend du temps pour qu'il soit financé. Mais bête qu'elle a au Kingila, n'a plus la qu'elle n'est pas sur ma bête. Mais bête en attendant avec les moyens de bord, bête n'a continué au conseil des populations, n'a pas quoi assister, bête ça va être ça la vie, ça lui. On va quitter l'espace Grand Bandundu pour se rendre à présent dans la ville de Chikapa où 5 agents de l'ordre, dont des éléments des FRDC et 3 de la police nationale congolaise, viennent d'être présentés à la presse par le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Kasaï central, tout en rassurant la population sa détermination à mettre fin avec la tracasserie militaire et policière. Le général Silvano Kasongo invite la population et les habitants du Kasaï central à bien vouloir collaborer avec ses services pour éradiquer ces flots en vie de vivre dans la quiétude la plus totale. La détail, je le propose dans cet élément de notre confrère Mike Mulamba à Dipi à Chikapa. Solution qui est dans mon mami sato, donc tu tiens déjà par numéro. Numéro mami sato, il y a Dibumba, colline à Dibumba, des collines à Kele, na colline à Kanjal. De façon que la population, ils ont droit à la bine, bon bangate. Ce qui est au moins les policiers, au moins les soldats, ils ont patrouillé, ils ont mis sur tous les bains de la bine. Nous avons un rapport à quoi sécuriser bino. Bon qui mate, bon bangate. Ce qui est bakadi, bon benga la numéro à toi, Ningisa ou Tokandiwan. Ma police m'a sauté au Kangiwana, pas aucun auditoire. Audience, c'est forêt, il fallait ça, c'est mal, oui. Malheureusement, le président est à tribunal militaire à Zate, là, juge Moussous. Mais, il y a la flagrance. Mais, voilà la chance, mais, on se dit qu'on continue. Parce que ma première Azali, journaliste et pasteur Manassé Azali, n'a victime Moussous, on a un hôpital.
bon bang acté, nous avons une mission, ok. On est au 4, ce qu'on a 4 électeurs, on a qui c'est, ce qu'on a monté, on a monté. Mais c'est Kamoli dans sa ligne, là on suspect en quoi? Toi, il m'a la police alors? Au bimbo, il m'a gagné. Mais, mission, moi, ça, la mission, ça, qu'on rassure, bah bon citoyen, bah tambola, n'est-ce pas l'ingi, bah ça va vous bouter. Au contraire, mission de Baumura, bah on va là, la cavata, bah n'est-ce pas l'ingi, bah t'es qu'un n'est-ce pas l'ingi. Bah tu m'as pas contre ça, bah on Tout ça, on a traqué, bah tu m'as pas contre ça, bah tu m'as pas malamou, ma bête. Donc, ça, la mission. Bobanga te population bozala ini pour monika problème bo bosangani bosali makelele bosali makelele parce que bakosa la le côté intervention du pekoya to kangi bango parce que ceux qui yo policiers militaires aux autres qui ne peuvent pas combattre la population comme moibi non bon c'est laisser faire de biso to zawana to zana bino elongo tiki mie kokota trakasengenesi bobanga Pourquoi pas, il y a une prison, il y a police. On n'a pas besoin de la quantité, on a besoin de la qualité. Il y a un maïel, il y a un maïel qui est en train de se faire. Ceux qui sont en prison, ils sont en train de se faire. Ils sont en militaire, ils sont en police. On a besoin de combattre la bataille. C'est mon souhait. Merci. Je le disais à l'ouverture de cette édition du journal, le Programme national de développement agricole, PENDEA en sigle, organise du lundi 22 au mercredi 24 juillet 2024 à l'hôtel Mosito dans la ville de Kikwita un atelier de dissémination du mécanisme de gestion de plantes dans la zone d'intervention de ces méga programmes du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale. Votre rédaction était donc la représentée. Voici la suite. Madame le maire de la ville de Kikwita, adjointe Lula Charlotte, a lancé ce lundi à l'hôtel Mosito dans la ville de Kikwita l'atelier de dissémination du mécanisme de gestion de plaintes MGP en sigle. Cet atelier de 3 jours au profit des chefs des services partenaires de PENDEA, la société civile, les associations féminines et les services de sécurité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme national de développement agricole, PENDEA en sigle, en rapport avec les aspects des sauvegardes environnementales et sociales. Lors de son mot du lancement, Madame Lula Charlotte a invité les participants à être assidus pour avoir toutes les techniques possibles de gestion de plaintes afin d'éviter le conflit qui, selon elle, facteur du blocage du développement durable d'une nation ou entité. Il faut à tout prix qu'il y ait une gestion des plaintes pour éviter de freiner le développement. Nous avons besoin de développement dans le Kwilu. Et donc nous n'aimerions pas qu'avec PENDEA, que le développement soit bloqué à cause de conflits, à cause de plaintes. C'est pour cela qu'on doit tout faire pour que ces plaintes soient bien gérées, pour qu'on puisse avancer. Évidemment, là où vivent les hommes, il y a ce qu'on appelle des hommeries. Le problème ne manque pas, mais nous devons savoir les gérer pour ne pas bloquer l'avancement de toute une province, de toute une entité. Monsieur Crispin Lumbombo, expert national en développement social au Programme national de développement agricole, PENDEA en sigle, revient sur quelques objectifs poursuivis par ces méga projets du gouvernement congolais financés par la Banque mondiale. Le PENDEA, c'est le Programme national de développement agricole. En principe, c'est un projet qui est étalé sur 15 ans, divisé en 3 phases. Là, nous sommes en train de mettre en œuvre la première phase du projet. On ne tient pas encore compte des deux autres phases parce que les deux autres phases ne pourront être mises en œuvre que si la première phase réussit. Les objectifs, quand on parle d'objectifs ici, il faut parler de composantes du projet. La première composante, c'est l'appui aux petits exploitants agricoles. La deuxième composante, c'est l'accès au marché, qui prend en compte la réhabilitation des routes et des ouvrages d'art qui se trouvent sur ces routes-là. La troisième composante, c'est le renforcement des capacités de toutes les institutions étatiques. Et la quatrième composante, c'est faire face aux urgences.
Tout à fait autre chose dans cette édition du journal au ministère de l'éducation nationale. Nous sommes là à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où l'on parle du début de la publication de résultats de l'examen d'État édition 2023-2024, initialement annoncé ce samedi 20 juillet et décalé au mercredi 24 juillet prochain. L'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Jacques Audia a précisé à travers une vidéo que ces légers reports se justifient pour deux raisons de fiabilité et de crédibilité afin que tout le monde soit associé dans le cadre de ces processus. Détail, je le propose dans cet extrait. Les opérations de correction, de contrôle des documents traités, toutes ces opérations vont bon train. Le chronogramme sera respecté. On a annoncé la publication des résultats entre le 20 juillet, le 20 juillet et le 20 août prochain. Donc nous allons publier dans ce délai-là. Toutes les malles sont déjà à Kinshasa, même celles des coins ou des régions que vous évoquez, des zones difficiles, des zones à conflit armé ou conflit communautaire. Tout est déjà à Kinshasa. Au moment où je vous parle, les opérations de correction se déroulent très bien. Le jury se réunit le 24, le mercredi prochain. Et le même jour, on publie les résultats de la session 2024 de l'examen d'État. Pour raison de fiabilité et de crédibilité, il faut que tout le monde soit associé à cet exercice. Nous avons beaucoup de structures. Vous avez le cabinet du ministre parce que le président du jury, c'est la ministre d'État elle-même, l'inspecteur général avec tous les autres collaborateurs qui, dans le cadre des évaluations, mais également les directeurs chefs des services de l'administration centrale. Vous avez également les coordonnateurs des écoles conventionnées et le président du comité des parents. Tout le monde est appelé à cet exercice, n'est-ce pas, pour raison de transparence, de fiabilité et de crédibilité. Donc, le mercredi, je confirme, à moins que, je crois, le ciel ne tombera pas le mercredi. Nous allons publier le mercredi. Et puis, à travers le monde, je vous propose de suivre les actualités phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères de VO Afrique. Au Kenya, le président William Ruto a nommé vendredi 11 ministres, embryon d'un gouvernement élargi, plus d'une semaine après avoir limogé la quasi-totalité de son équipe gouvernementale. Au Niger, le régime militaire a annoncé des baisses des prix de l'essence et du gasoil à la pompe à partir du 23 juillet. Le but est de baisser les prix des transports et celui de plusieurs produits. Au Soudan, l'émissaire onusien Rantam Lamamra évoque des discussions encourageantes entre les deux parties en guerre. Il dit compter désormais sur les partis pour traduire rapidement en progrès tangibles sur le terrain leur volonté de dialoguer avec lui. Au Cameroun, le gouvernement met en garde les leaders politiques d'opposition. Il dénonce la montée des propos injurieux contre les institutions et ceux qui les incarnent. C'est par là que nous tirons partiellement le rideau de cette édition du journal pour prendre le rappel de principaux titres du côté de la régie finale. Félix Tshisekedi appelle le membre du gouvernement à travailler dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa. C'était à l'ouverture du séminaire gouvernemental ce dimanche à Kinshasa, la capitale congolaise. Et puis à Kikwit, province du Kwilu, Madame le maire de la ville adjointe, Lula Charlotte, a donné le go officiel de la télé des disséminations du mécanisme de gestion des plaintes organisées par le Programme national de développement agricole PNDA en Syrie. Les informations phares de l'Afrique monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.